Good morning, allez, Iden, le Tusser, aujourd'hui le Mishmat Richaron Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal. Et si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishmat, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sakhatanit, Perek Aleph Mishnah Vav. Avru Elu Velona Anu, Bet Din Gozrin, Shalosh Taniot Acherot à la Tzibur, Ochlin Veshotin, Mibe Odiom, Vasurin Bimnacha, Uberichitza, Ubisiko, Ben Elata Sandal, Ben Hashem Shamita. Veno Alin et Amerchetzaot, Veno Alin et Amerchetzaot. Avru elu velo na'anu, bedin gozrin aleyem od sheva, shen 13 taniyot, ala tzibur, are elu yeterot ala rishonot, shebe elu matri'in venualin et hachanuyot, bashani matinim chashecha, bachamishim mutarin, mipene kvod ha-shabbat. Dans la Mishnah d'Alet, on a vu que le 17 cheshvan, il n'y a toujours pas eu de pluie, Talmidei Chachamim vont commencer à jeûner 3 jeûnes. Mais c'est que les Talmidei Chachamim pour le moment. Après, dans la Mishnah, on a vu que Rosh Chodesh Kislev est arrivé, il n'y a toujours pas eu de pluie. Cette fois-ci, c'est le peuple, tout le monde qui commence à jeûner. On a dit depuis Rosh Chodesh Kislev, on attend le lundi, jeudi, lundi, on commence une 3 séries de jeûnes qui étaient pour le moment pas rigoureux. La pluie n'est toujours pas venue. On a dû donc passer au moins 7 à 10 jours, au moins dans Kislev, la pluie n'est toujours pas venue. Alors là, cette fois-ci, on commence à monter la pression. Et on va faire des jeûnes beaucoup plus rigoureux que quoi. Avrou, Elou, Vélon et nous sont passés. Alors maintenant, juste qu'on va adopter une terminologie, comme ça on se comprend quoi. Les 3 premiers jeûnes, que c'est que les Talmidei Chachamim qui jeûnent, on ne va pas les compter dans les séries, d'accord? Histoire de se comprendre quand on parle. Donc en fait, on a déjà eu une première série dans la Mishnah précédente de jeûnes publics, on va appeler une série de jeûnes publics, comme ça on se comprend. On a eu dans la Mishnah précédente une première série de 3 jeûnes publics qui étaient donc moins rigoureux. Maintenant, on commence à passer la vitesse. Avrou Elou Velona Anou, on a passé la première série des jeûnes et Velona Anou, on n'a pas été exaucé du ciel. Nos prières n'ont pas été agréées et la pluie n'est toujours pas tombée. Qu'est-ce qu'on fait? Bet Din Gozrin Shalosh Taniot Acherot Alatzibo. Le Bet Din va décréter 3 autres jeûnes, donc une deuxième série de jeûnes publics à la Tzibour sur le public. Dans ces jeûnes-là, Ochlin Veshotin Mibodiom, il faut veiller à manger et boire depuis le jour d'avant, parce que dès que la nuit elle tombe, t'as plus le droit de manger. Comme à Tisha B'Av, ça commence depuis le soir. Vasurin Bimlacha, et durant ces jeûnes-là, tu n'as pas le droit de travailler, aucun travail artisanal. On va voir pour les magasins de nourriture, il y a une permission, mais en tout cas, le travail artisanal, on n'a pas le droit de travailler. C'est comme un jour de fête, en mesure où c'est un jour où on doit se réunir à la, pour. On est en moins d'activité pour se concentrer un petit peu sur les difficultés qu'on a, faire tchouva tout simplement. Si la pluie traîne à tomber, c'est qu'on n'est pas méritant, donc il faut faire tchouva. Ensuite, donc ils sont, va sur une bamlacha, on n'a pas le droit de travailler, ou barichitsa, on n'a pas le droit de se laver, comme à Tisha B'Av. Attention, se laver à l'eau chaude, tout le corps. Se laver partiellement à l'eau chaude, ou encore se laver tout le corps à l'eau froide, c'est permis durant cette série de jeûnes, comme ça c'est précisé. Dans la Gemara, c'est rapporté ici dans tout le Mefarshim. Donc, on a, c'est rapporté au moins dans le Tifrat Israël, c'est rapporté aussi, je crois, dans Tosfot Yom Tov, si je ne me trompe pas. Et donc, on continue. Barichitza, au Bessicha, on n'a plus le droit de se moindre d'huile. Au Benéla, ta sandale, de porter des chaussures en cuir, mamash, vraiment comme un Tisha B'Av. Au Betashmi Shamita, et les rapports conjugaux sont interdits. Venualin et Amerchetzaot, et en plus de ça, on a même un devoir de fermer les bains publics qui sont chauffés à l'eau chaude. D'accord? Ensuite, donc on était maintenant à la deuxième série de jeûnes publics. Maintenant, la pluie n'est toujours pas arrivée. Donc on a passé déjà une première série de jeûnes. Lundi, jeudi, lundi, pas exaucé. La semaine d'après, lundi, jeudi, lundi, toujours pas exaucé. Ça fait déjà 3 semaines, plus ou moins que ça dure. Et alors quoi? Avrou Elou Velona Anou, sont passés ensuite deuxième série de jeûnes publics. Troisième série. Deuxième série de jeûnes publics, eh bien, Bet Din Gozrin Aleem Od Sheva. Cette fois-ci, là, on monte encore plus de vitesse et de pression. Et le Bet Din va décréter cette fois-ci 7 jeûnes. D'accord? Shehen Shloshesre Ta'aniot, qui vont faire au total 13 jeûnes, puisqu'on a dit en série de jeûnes publics, il y avait les 3 cool, les 3 rigoureux, et maintenant les 7 super rigoureux, 3 plus 3 plus 7, ça nous fait 13. Qui vont faire en total 13 jeûnes à la Tzibour, sur le public, parce qu'il y avait par ça 3 aussi pour les Talmidei Chachamim auparavant. Cette fois-ci, ceux-ci seront encore plus rigoureux que le précédent. Que pendant cela,
on va être matrine, on va sonner du shofar, comme on verra dans le Perek Bet, concrètement les filotes particulières qu'on faisait durant ces journées-là de jeûne. Donc dans cela, on va jeûner, on va sonner du shofar, et puis on va même faire aussi des tefilot. Non, je crois que c'est précisé, c'est marrant, c'est pas rapporté ici, des shofarot. Il y a dans la Gemara que. Je n'ai pas vérifié avant. Je crois qu'il y en a vu dans la Gemara que c'est pas. C'est qu'il faut faire une tefila spéciale de Hanenu en plus. Hanenu, Avinu, Hanenu, Hanenu, Borenu. C'est rapporté, je crois, dans Rachid. Je reverrai quand on sort dans la Mishnah Bet, dans le Perek Bet, on verra ça plus longuement. Donc, chez Belumatrine, donc durant cela, on sonne le shofar, comme nous dit le Barthénora. Et aussi, et Venoalina Tachanouyot. Et cette fois-ci, on ferme même les magasins. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit de travailler jusqu'à maintenant. Mais les magasins de nourriture, du minimum vital, c'était quand même permis. Là, cette fois-ci, durant cette série, donc la troisième série de jeûne public, les 7 jeûnes, eh bien, Noalina Tachanouyot, on fermera les magasins cette fois-ci. Même les magasins de nourriture. Cependant, il ne faut pas que les gens meurent de faim. Alors quoi? Bacheni, Matinim Chashecha. Le jour de lundi, et là, on a dit on jeûne le lundi et le jeudi, donc durant tous les lundis, Matin Imchashecha, on entr'ouvrira les portes à l'approche de la tombée de la nuit. D'accord? Les Eterev, à l'approche de la tombée de la nuit, on ouvrira un petit peu, on n'aura pas le droit de sortir à la marchandise dehors, on en trouve comme ça que les gens puissent manger après le jeûne. Et ils viendront faire les courses demain, c'est pas le moment d'aller faire du shopping. D'accord? Maintenant, Uba Sheni, et par contre le cinquième jour, donc le jeudi en l'occurrence. Alors là, on est à l'approche du Shabbat, on ne va pas imposer à tout le monde de venir le vendredi faire les courses du Shabbat, ça va être une folie. Alors là, cette fois-ci, Moutarine Mipnei Gvoda Shabbat, on a le droit d'ouvrir la porte du magasin durant tout le durant toute la journée de jeudi en l'honneur du Shabbat. D'accord? Mais attention, précision, on ne parle que des magasins de nourriture et de boissons et pas rien d'extra. Tous les autres magasins doivent rester fermés maintenant durant ces 7 jours de jeûne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Selah.